Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la stratégie la plus simple pour tuer Oryx. Elle a été trouvée par des Américains et on souhaitait la partager avec vous. Alors avant toute chose, je tiens à préciser un petit peu les armes qu'on utilisait. En arme principale, l'once de méchanceté. En deuxième arme, un sniper. Et en troisième arme, on utilisait un lance-roquette. Au niveau des doctrines, donc pour le titan, vous mettez de préférence la bulle avec bénédiction de lumière. Au niveau du chasseur, on utilisait l'arc. Au niveau de l'arcaniste, on utilisait donc la réanimation. Comment on fait? Tout simplement, avec ces stratégies-là, vous n'aurez pas besoin de tuer les ogres avant de tirer dans le ventre d'Oryx. En gros, un joueur prend la relique, donc ça change pas. On met un joueur en haut, au milieu, sur les plateformes où se situaient directement les filles d'Oryx, qui va aider un petit peu à DPS les ogres. Et ensuite, un joueur par plateforme. Comme d'habitude, on monte sur les plateformes à tour de rôle. Et les gens sur les plateformes vont DPS les ogres en faisant bien attention de ne pas les tuer. Petit conseil, mettez-vous bien sur le rebord de la plateforme accroupi vers l'extérieur de la map. Comme ça, vous ne prendrez pas de dégâts et vous serez vraiment très safe. Une fois que le porteur de la relique a la relique, donc il le dit bien, vraiment, il faut avoir beaucoup de communication. Et les quatre autres joueurs rejoignent le joueur qui se trouve sur la plateforme en haut. À partir de ce moment-là, il faut bien faire attention à DPS les ogres sans les tuer, donc c'est-à-dire à bien leur laisser 1 ou 2 mm de vie. Le porteur de la relique vous rejoint, vous pétez le bide d'Oryx au moment où il lève les bras. Une fois que son bide est pété, il ne faut pas perdre de temps, il faut bien tuer les ogres, descendre, faire péter les boules noires et on se rejoint tous en bas au milieu. Au moment des pas d'Oryx, je vous conseille de tourner à deux autour du plateforme, c'est-à-dire à 180 degrés, chacun à l'opposé de la plateforme. Comme ça, ça laissera trois autres plateformes de libre. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait un joueur qui tournait sur les deux plateformes où se situaient les filles d'Oryx. Au moment de se faire téléporter vers l'écho d'Oryx, c'est là qu'on vous conseille vraiment de poser une bulle avec bénédiction de lumière, de lancer vos flèches sur directement l'écho d'Oryx et d'utiliser toutes vos munitions lourdes, toutes vos roquettes que normalement vous n'utilisez pas avant avec cette stratégie. Je vais vous laisser désormais avec nos commentaires en direct. J'espère vraiment que cette stratégie vous plaît. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Je vous dis à très bientôt les potes. Bon visionnage à tous. Tchuss! Sur un mariage. Première plaque, c'est bon. Tiens. Relic. Faut bien nos ogres à Maria. Ouais. Il y en a un, il est vachement bien. C'est le mien, je crois. Ouais, c'est bon, les deux ils sont bien. Pas besoin de les toucher. Oh, Maria, ah ouais, il nous a pas fait un seul fail de saut depuis le début. Ah bah. Ouais, bah là en fait, le troisième saut. C'est... Il s'est entraîné depuis. Non, c'est pas ça, le troisième saut, t'as tellement d'altitude que ça passe quoi. De toute façon, tout est dans le métal. Prends celui de gauche. Proxy middle. Prends celui du fond si tu veux, Lady. Lève une mire, le chevalier jaune. C'est bon. Prends les espèces de bâtards. Putain, on est bon. Bang, ça va, bang. Allez, go, les TP. Ah bah non, il y a des lourdes là-bas. Allez, TP. Parfait. Toutes les lourdes là-bas. Ah, laisse tomber, moi aussi je suis bien dans l'eau. Attends, attends, je veux juste voir où il va faire spawn. Il y a pas le chevalier. Ouais. C'est bon. TP. Chevalier mort. N'oubliez pas de finir à droite à gauche. Avec toi à gauche, on est. Comment que ça, on est en rebouscade. Waouh.
charge. TP. Il charge Mox. Saute Mox. Ouais, ta mère. Tu TP. T'es où celui de pute? Il est arrivé. Droite. TP. Droite. T'as pris le flèche. Allez, on le finit. Il est mort. Je fais plein de mun, il y en a plein au middle. Il est sur les 10. J'y suis. T'es sous. J'y tue. On en a. Polik. Non. Le dernier rogue, je veux bien Yoda ou quoi? J'ai une balle. Le dernier, je vais le faire après. Gap pour extir. Allez. On ose avoir une cam. Je le baisse un peu. Non seulement ils sont très bien les deux. Bien. C'est bien, nos abonnés. Tu vas essayer de prendre celui du fond quand t'as l'arrière. Prends celui de gauche, hein, comme d'hab. C'est moi qui s'en descend. Chevalier derrière. J'ai un peu d'avance par rapport aux autres donc. Oh, ça va être chaud pour le tour. Hein. Run, bitch, run. C'est bon. Oh la chute. Eh, la glissade, tu la faisais pas, la glissade, t'étais mort. Ouais, c'est ça. Oh putain. Allez, TP. C'est des mecs. On dit pour les chevaliers? Ouais. Ils ont spawn. TP. Chevalier mort. TP. Mais t'es lourde en fait. Béné. Okay. Derrière, là. TP. Charge. 50 nuances d'Oryx. TP. Ouais, un esclave là. Where is Oryx? Gauche. En face. J'ai. Attends, il est encore mort. Regarde là-bas. Il est mort. Non, je ne sais pas. Ok, il m'a donné un engramme exotique. Ok. Il lui tombe un engramme jaune dans le fond là-bas. Allez, on l'a fait. C'est pour, chez toi, moi. C'est sur moi. C'est moi le dernier. Je suis. Je suis. Bon, on a gagné. Polik. On est en haut. Alors baisser mon mode. En face. Ah ouais, merde. On est bien, tu ou pas? Fufu. J'ai. Il va falloir descendre un peu l'ogre, j'ai câble. C'est bon, il est bon. Bon, c'est bon. Et mon ogre? Enfin, je descends un peu. C'est bon, je claque à la roue. Il a tapé. Ok. Moi, t'es bien. Mox. Chevalier Moxie, combien? Attends. C'est bon. Ok, c'est bon. Là, j'ai câble. Non, c'est bon, ça. Allez, jouez là. Allez.
Allez. Moi je fais 11 de méchanceté, je m'en bats les couilles. J'annonce, je mets arme de lumière. Arme de lumière. Go. C'est bon, il n'y a pas besoin d'arme de lumière. Hein. Si, si, si. Non, les couilles, si, 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 on recule. Je veux pas tenter le coup. Ils sont même pas passés dans l'arme de lumière. Dis-moi, je suis passé. Oui. Allez, nique ta mère. Nique ta mère, ta grand-mère. Et moi, j'ai que le porte de Broly qui est trop chaud. Elle est belle. Putain, elle est belle, celle-là. Oula! 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 Tout. Oh, Monte quoi, Carlo! Ça y est, vous l'avez couché. Oh, j'ai eu deux. Et en combien tu l'as eu à Monte Carlo? 310. 310. Oh putain! Non, pas que j'ai eu le casque à 300. J'ai rien. Oh. Châtiment de Mera en 306. Hey, j'ai eu le jugement dernier de Mida à 320. Oh, j'ai eu la batteuse 314 et le gun à 311. 320? 320! Oh, bah. Tu montes combien en lumière là, yo-yo? Non, mais c'était mon sniper était déjà à 319, donc ça va pas me faire monter beaucoup. Ah ouais. Moi j'ai eu les bras du raid, je les avais pas. J'ai... Il manque le casque et j'ai toute l'armure. Moi j'ai eu le casque mais en 300. Moi j'ai rien eu d'autre moi. Je suis deg. J'ai eu la pulsion et un spectre à 306. La pulsion à combien? La pulsion à 306 et le spectre à 311. J'ai eu j'ai deux spectres. La pulsion à 308, pareil, j'ai pas eu de trucs terribles. J'ai aucune arme. Oh putain, en tout cas la dernière a été magnifique. Bon allez. Oh, je suis dégoûté. Ouais. En fait, il veut juste mettre un petit coup de pression. Tout le monde se concentre. Non, même pas. Personne parlait sur la fin. C'était.